Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve, tapis, qui dit tapis, dit ouverture. Lors de mon passage à la boutique, je vous ai montré la vidéo le week-end dernier tout simplement. J'avais pris des cartes à l'unité que je vous ai présentées, mais j'ai aussi pris des boosters à ouvrir sur ce week-end, où vous voyez la vidéo. Et puis pour le week-end suivant, vu que ensuite il y a... la sortie de Thunder, la nouvelle extension. Voilà, une nouvelle extension. J'ai pas encore pas habitué encore à sortir le nom, donc voilà. D'ailleurs, le nom français est super chelou. Je suis pas très fan. Donc voilà, j'ai pris deux lots que je vais vous montrer. Hop, deux lots de 4 boosters qu'on va ouvrir sur ce week-end et le week-end prochain. Donc deux boosters d'Ixalan, deux boosters. Des friches d'Eldraine, tout ça en booster d'extension. Deux boosters Ravnica Master en draft. Et un booster collector Ixalan, friche d'Eldraine. Voilà, ces 4 boosters hop, pour chaque vidéo. Et aujourd'hui, hop, on va se faire dans l'ordre. Dans l'ordre, Eldraine. On fera Ixalan le week-end prochain. Voilà. Donc, 4 petites ouvertures pour aujourd'hui. Il manque des cartes dans chaque. Donc, je me suis dit, voilà, hein, pourquoi pas essayer d'en retenter. On peut sortir peut-être une petite Dany. Hein. Une petite carte Jurassic Park plutôt sympa. Le Velociraptor, par exemple. Ou alors, des alternatives. Caverne. Voilà, on ne sait pas, hein, clairement. Il manque pas mal de cartes. Il manquerait peu de cartes par extension. Je vois pas trop l'intérêt. Mais il manque, voilà, comme vous dites, il manque pas mal d'alternatives sur chaque extension. Enfin voilà, il manque pas mal de choses. Donc, tant qu'à faire, prendre un petit booster, voir sur un booster, on peut sortir une petite dinguerie. Hein, pourquoi pas? Allez, on est parti. On va mettre ça comme ça. On va cacher Mademoiselle... D'ailleurs, que je vous avais pas parlé, hein. Ça c'est Magali Villeneuve à l'illustration. Et je l'ai pas là, c'est rare. Enfin, si, j'en ai une. Et puis il m'en faut une deuxième. Bon, allez, on retourne sur le booster. Une petite caverne. Donc, normalement, j'ai toutes les communes, toutes les Unko. Hein, on va se faire une petite ouverture parce que ça fait déjà un petit moment. Hein. C'était l'année dernière. Ixalan. Non, c'est pas l'année dernière. Hein. C'est. Si, en fin d'année. Je sais plus. Je sais déjà plus. Donc voilà, on retourne un petit peu dessus, histoire de voir un petit peu les communes des Unko. Mais bon, on va espérer sortir une petite dinguerie en rare mythique. Et puis pourquoi pas une petite alternative aussi, hein, clairement. Allez, enregistrement de la relique, conseil des échos, hein, tout ça, c'est de la communauté de l'Unko. On les connaît, on en a vu beaucoup. Donc on passe, on les regarde, mais on passe assez vite quand même. Éclaireuse de la Cénote. Carcasse gorgée d'eau. Et on aura une rare pour ce booster 258, ça doit être du multicolore ou artefact peut-être, chimile. Oh, 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 oh. Alors je l'ai récupéré dernièrement, le trône, hein, vous l'avez vu il y a 2 semaines je crois, de mémoire, sur une ouverture Ixalan. Le lot que j'avais pris chez la belle carte, hein, de Valet PL, la chaîne Valet PL YouTube. Mais c'est un très beau drop, une très belle double qui va me permettre de récupérer une très belle carte à mon avis, quoi. Et puis on a même une rare foil bleue. Me dis pas que c'est Tishana. Non. Non, quand même. Mais voleur à voile volante, cool. Je l'ai récupéré en version normale dernièrement. Je ne l'avais pas en version foil. Donc voilà. Et puis on a même une card list mythique de 2017. Bon. Je pense pas que ce soit incroyable. Étoile de l'extinction, hein. Star of Extinction. Extinction. En anglais, magnifique. Mais je ne l'avais pas en card list. Hein. Une carte Ixalan. Premier Ixalan. Ouais, je crois, mémoire. Et donc, c'est cool. Hein. Donnez-moi ce booster. Que demander de mieux? Que demander de mieux, quoi? Magnifique! Aïe, aïe, aïe. La carte d'illustration, je verrai. Il me manque quelques cartes d'illustration. Hein, donc, peut-être aussi, hein, carte d'illustration, on sait jamais.
Allez, les Frigidren. Pareil, les Frigidren, si on peut sortir une belle carte enchantée, genre ça, ça serait magnifique. Carte d'illustration magnifique. Donc, si on peut sortir une petite dinguerie hein, de hop, on va cacher une mandrazelle, comme je vous l'ai dit. On sait pas, on va voir. Déjà, le premier booster était assez incroyable, donc est-ce qu'on peut continuer comme ça hein, faire une belle ouverture. Ce serait très cool. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai rien ouvert de mon côté, donc de mes mains. Donc, ouais, franchement, c'est cool, quoi. C'est très, très cool. Beau temps panépé, c'est une bonne carte pour le popper. Chair pure araignée. Chair pour araignée, pardon. Cire Armand de Magali Villeneuve. Je vous l'ai présenté dernièrement. Traitement royal. Acolyte des Sylves. Allez, une petite dinguerie. Une rare bleue. Messager de Tarrellion. Bon, c'est loin d'être incroyable. Mais il manque des petites rares, encore une fois. Et je sais pas. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais pas s'il me le manque pas. Je verrai après la vidéo. Malheureusement, ça sera une Unco pour l'enchantement. Et malheureusement, une commune foil. Et pas de carte de liste. Et une pub. Ça, on s'en fout. Bon. Malheureusement, pas incroyable. Malheureusement. Hop. Allez. Ravnica Remaster. Pour le prochain. Allez. Il me manque plein de choses. Il y a plein de choses que j'essaie encore de récupérer hein, sur Ravnica Remaster. Pareil, encore une fois. Hein. Il y a des choses que je cherche, donc pourquoi pas hein, pourquoi pas. Expiration. Rapetissement. H-corne déchaîné. Raptor nuageoire. Vapeur méphitique. Rassembler son courage. Déférence. Bon, un contre-sort, je vais y arriver. Plutôt sympa. Loin d'être le meilleur, mais très correct. Feu démoniaque. Est-ce que j'avais sorti celle-là? De toute façon, on me dit rien. Peut-être il me manque quelques communes, quelques uncos, hein, donc à voir. Renaissance fongioïde. Une rétro pour la rare. Niv-Mizzet en rétro. Ok, je prends, clairement. En plus, en rétro, c'est plutôt cool. Une commune foil. Hop. Et malheureusement, ça sera une porte. Malheureusement, ce sera une porte. Et le token oiseau. Bon. Divisette. C'est correct, on va dire. C'est pas le plus qu'on aurait aimé. Hein, mais c'est correct. Que j'avais sorti une Nivmizzet en rétro. Je l'ai sorti en full art de mémoire. Mais en rétro, je sais plus. Allez, le booster Eldren. Le booster collector Eldren. Hop. Alors, par contre, je sais plus. Ouais, si c'est. C'est dans le mauvais sens. Donc, on va faire. Hop. On va faire des suspens quand même. Et toujours pas le token qui me manque. Hein. Le token souris, c'est une dinguerie. Il ne veut pas sortir. J'ai pas réussi à le trouver. C'est le dernier token qui me manque de l'extension. Impossible à trouver. Mise en cage pour les foils. Donc, bon, on va passer. C'est de la foil. Croissant titanesque, magnifique. J'aime beaucoup cette situation de croissant titanesque. Gloire de l'Arconte. Sinistre recherche de Rouen. Donc là, on espère sortir. Chaudron, cavalerie, il y en a plein. Il y en a plein qui me manquent, des très grosses. Donc voilà, et puis forcément les enchantements. Hein. Les enchantements. Donc voilà, on espère beaucoup. J'espère pas être déçu. Croisez les doigts. Le terrain, la petite île foil. Ça fait plaisir de le retrouver.
Même si c'est très loin d'être mes préférés, hein, etc. Ensuite, on a les Unko normal et foil. On commence avec une rare 96. J'ai du noir. Ouais, c'est du noir. Sur la tête, c'est une pierre. Je l'ai récupéré dernièrement. C'est dommage. Si j'avais su, bon, je pouvais pas savoir. Mais je l'avais pas en version foil. Je me. Ah, comme je peux. Une autre rare noire. Importune provocatrice. Carte commandeur en extended. Peut-être ça peut être bien. Parce que les cartes commandeur, faut jamais être. Faut toujours s'en soigner. Parce que il y a des très bonnes cartes commandeur dans chaque extension. Donc des fois on peut être avoir une belle surprise, clairement. Donc je l'avais pas. Donc c'est cool, je prends. Une rare. C'est un terrain malheureusement. Le bivouac, plus que j'ai déjà. C'est dommage. Une mythique japonaise. Ok. Donc c'est une alternative. S'il te plaît, dis-moi que c'est. Pas dire ça pour pas lui faire peur. Oh putain de merde. Alors, je l'ai. Je l'ai. Mais j'en cherchais une pour mon deck. Je l'ai en version alternative. J'ai déjà sorti. Mais, putain, incroyable. J'en cherchais une pour mon deck token, hein, clairement. Magnifique. Et, malheureusement, une souris de combat enragée pour l'extended foil. Bon, c'est dommage. C'est dommage, ça. Peu caca. Mais parallèle live, quand même, parallèle live, c'est quand même une très bonne carte. En plus, la version. Alors, est-ce que j'ai la version basique de parallèle live? J'ai un doute. J'ai un doute, je pense pas. J'ai déjà cette version alternative japonaise, qui, du coup, à mon avis, va aller dans mon deck. Mais la version basique, je. Peut-être pas, je sais plus, clairement je sais plus du tout. Enfin bon, cette première ouverture est plutôt cool, hein. Franchement, un petit trône des rangs, un petit parallèle live. Franchement, je m'en sors bien, hein. Je m'en sors bien. Une petite carte The List, bon, même si je pense pas que ce soit la meilleure du tout. Une petite mythique que j'avais pas en plus, donc voilà. Je pense que c'est une ouverture plutôt très correcte. Bon, les bivouacs, bon. Très loin d'être incroyable. La carte commandeur, je vais m'enseigner. Je vais m'enseigner pour les decks comme Peuple Fée et Gredin. Apparemment, ça fait. On crée un jeton. Ouais, je suis pas sûr. Pas sûr que ce soit un très 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 cool. Mais. Hop. Je l'avais pas. Donc tant mieux. Bon, ben c'était très cool. Très très cool cette petite ouverture. Très bon choix de booster. Franchement, je m'en sors plutôt bien. Donc je suis ravi. Et puis j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi, histoire de soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve le mercredi qui arrive avec le binder suivant de l'illustrateur. Et puis le week-end prochain pour ses boosters. Hein. Voilà, pour voir si on peut continuer dans la même lignée. Allez, je vous laisse. Je fais des bisous. Je vous dis très vite pour la prochaine. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis à très vite. Allez.